gars! Hey les meufs! J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Moi ça va super, comme d'hab. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. C'est celle que je préfère tourner, les vidéos make-up. Celle que vous préférez regarder, je crois, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, je crois que c'est les hauls. Mais moi c'est vraiment le maquillage, j'adore tourner des petites vidéos, des tutos, des revues, plein de trucs comme ça. C'est les vidéos que je préfère tourner, donc on y va, let's go! Je suis de retour. Bon alors vous avez peut-être remarqué que j'ai des petites rougeurs là. C'est juste que je me suis épilé la moustache en fait avec les bandes de cire. Donc ça m'a fait... J'ai mis de la crème hydratante Nivea. Nivea, ouais. Et donc ça me fait pas mal. Là ça me brûle moins. Mais ça brûle plus du tout. Mais ça m'a laissé quelques taches de rougeur. Mais ça va partir avec le temps, je suis habituée. Ça faisait très très longtemps que je m'étais pas épilé la moustache et ça commençait à devenir une catastrophe. D'ailleurs s'il y a des vidéos ça se voit, je suis vraiment confuse et désolée. Bref. Donc j'ai toujours pas essayé le maquillage que j'ai acheté à Primark. Là j'ai rien du tout sur mon visage, à part mes piercings et mon foulard, je ne porte rien du tout. Et mes vêtements, encore heureux. Bref, donc voilà, je vais commencer par vous présenter les produits que j'ai achetés à Primark. Alors on va commencer par les outils. J'ai acheté deux beauty blenders, deux éponges pour 1,80€ seulement. Alors que je les vois partout, il y en a un seul pour 6,50€. Donc là, 1,80€ les deux éponges, autant dire que c'est une grande occasion de se faire plaisir. Donc je les trouve un peu plus dures que les miennes. J'ai pas l'ancienne mienne à côté de moi, mais je les trouve un peu plus dures. Mais je les ai toujours pas essayées, j'espère qu'elles vont être bien, j'espère qu'elles vont me plaire. Elle est plus molle. Elle a il y a deux petites taches, je sais pas d'où elles viennent, je crois que c'est la décoration. Bref, elle est un peu plus molle, elle a une différente forme, une forme différente. Donc elle pour toutes les deux ont le petit embout pointu pour en dessous des yeux pour les cernes. Et franchement ça va, elles sont molles. Elles sont moins molles que les anciennes, mais elles sont pas si dures que ça. Et voilà. 1,80€, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, après, toujours dans les outils, je me suis pris un petit pinceau à 2,50€. En fait, moi qui me suis mise à poudrer mon anti-cerne et même à faire du baking souvent. Ça c'est parfait pour ça parce que j'utilise toujours le pinceau plat moi pour le baking. Alors que j'ai vu plein de vidéos avec lesquelles, et même des vidéos de professionnels avec lesquelles ils utilisaient des petites éponges. Donc ça c'est une éponge en fait, au bout c'est pas un pinceau. Ils utilisaient une éponge humide pour mettre la poudre, le baking powder en dessous des yeux. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, je sais pas, je vais tenter plein de nouvelles choses. J'espère que je vais pas me rater. Et de l'autre côté donc on a le petit pinceau pour... enlever la poudre. Donc comme ça j'applique la poudre sous les yeux et là je l'enlève. Voilà, donc un outil un en deux, deux en un pardon. Un en deux, bref. Et donc 2,50€ chez Primark. Voilà, donc je vais l'utiliser aujourd'hui pour la première fois avec vous, je vous préviens, c'est limite un crash test de plusieurs produits aujourd'hui. Après on passe à quoi, je me demande vraiment, parce que les deux sont merveilleux ce que j'ai acheté. Allez, on passe à ça. C'est un highlighter. Oui, donc je pense que vous pensez pareil que moi, il m'a volé toute la lumière. Ouh, genre. En fait, c'est un highlighter. Et il me fait trop penser au Huda Beauty, au Fenty Beauty. Au Fenty Beauty by Rihanna. Sauf qu'on voit pas bien parce que ça brille trop, mais c'est pas possible. Ouais, il brille. Et genre, il y a écrit Pure dessus. Il y a juste écrit Pure et en dessous Highlighter. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. J'ai déjà ouvert, hein. Je connais déjà à quoi il ressemble. Je sais déjà à quoi il ressemble. Donc il est très doré. Voilà, il y a écrit Pure là aussi. Donc je vais l'essayer avec vous. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que moi je suis une fan des highlighters, j'en ai acheté plusieurs de plusieurs marques différentes pour les comparer. Et pour l'instant, mon préféré c'est le Bis. Mon préféré c'est le Bis, je pense. J'aime bien aussi le stick de Miscop, il est pas mal. Mais surtout pour le nez, pour les joues, c'est mieux le Bis. Il est vraiment pas mal le Bis, le highlighting trio que j'utilise d'habitude. Bref, et après, dernière chose que j'ai acheté à Primark comme make-up, c'est une palette. Elle s'appelle Velvet Rose. Elle était à 6€. Et je trouvais les couleurs juste trop belles. Donc je pense qu'on va faire un swatch. Je vais enlever le plastique et on va faire un swatch. Ça, c'est les couleurs nude. Voilà, donc ça commence par le Water Lily. Lui, c'est le Water Lily. Après, on a le Vanilla Mist. Après, on a le Orchid.
après Sweet Allure et après Velvet Truff. Voilà. Après, pour la deuxième rangée des fards à paupières, donc c'est juste là. Comment je peux faire? Voilà. Donc c'est juste là. Là, on va commencer par là. Du coup, on a la Sweet Sandal, c'est un blanc. Après, on a le Cinnamon, qui veut dire... comment ça s'appelle déjà? Qui veut dire cannelle en anglais, cinnamon. Bref. Après le rose, là, qu'on voit après le cinnamon, après le marron, c'est le cristal. Après, on a le black velvet. Après, on a le golden jasmine. Et après, enfin, les deux derniers, ils sont à échanger, à changer de place, je crois. Je crois que je me suis trompée, bref. Et donc, le noir qu'on voit, c'est le blackberry. Et le doré, c'est le golden jasmine. Voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'ils sont pas très très par rapport aux autres palettes que j'ai, ils sont pas très pigmentés. Surtout les nudes. Après c'est des nudes et c'est juste sur mon bras, donc je sais pas. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà. La rose velvet, velvet rose. Le pure highlighter qui me vole la vedette à chaque fois quand je le mets à côté de mon visage. Le pure highlighter de Primark, j'avais envie de le swatcher, donc on va le faire tout de suite si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, quel doigt est le plus propre. Je veux pas salir mon highlighter. Waouh, regardez moi ça. Waouh, waouh. Bon là c'est pas le meilleur endroit pour montrer sur le doigt, il fait magnifique en tout cas. Waouh, il est trop beau. Ça se trouve, il vaut le Fenty, hein. Je pense pas, mais on sait jamais. Et on a le droit de rêver. Moi, je le trouve magnifique, en tout cas. Voilà, bon, je vais me laver les mains. J'ai choisi d'utiliser, tout premièrement, cette éponge-là, la moins claire. Parce que elle me semble... J'ai plus l'habitude d'utiliser des éponges de cette forme-là. Bon, mon tout neuf, presque pratiquement tout neuf. Donc j'ai fait une revue avec d'autres produits. Il était dans une revue avec plein d'autres produits. Il y avait 13 nouveautés que je vous ai présentées. Donc il y avait ce fond de teint là. C'est le Healthy Mix de Bourjois. Voilà. Donc je vais l'utiliser. Je mets toujours une pompe et demie. Mais vraiment même juste une pompe. Des fois j'ai envie de mettre qu'une seule pompe aujourd'hui d'ailleurs. Allez, je suis folle. Je mets une seule pompe. Voilà. Donc j'ai ça sur mon Beauty Blender. Et on va venir l'appliquer et l'estomper sur le visage. Ah, elle est super dure. Elle est pas mal du tout. C'est pas agréable d'estomper avec ça. Pour 1,80€, j'aurais dû m'en douter. Hein. Mais d'habitude, je suis pas du tout déçue des produits... Primark. J'ai même mon tout premier Beauty Blender, la toute première éponge que j'utilisais, elle venait de Primark et elle est beaucoup mieux que celle-là. Peut-être avec le temps, elle va se ramollir. J'espère qu'avec le temps, elle va se ramollir. Ouais, donc ça se voit que j'ai mis moins de fond de teint que d'habitude. Tiens, ça me fait plus bizarre. Mais c'est pas choquant, ça va, je trouve. J'ai pas trouvé d'anti-cerne à Primark, mais... J'ai trouvé un anti-cerne Maybelline, il m'a déçu. J'ai trouvé un anti-cerne Lidl, j'étais dégoûtée, il me faisait pleurer. Et le premier que j'avais acheté, c'était au marché, je l'aimais bien, mais il était trop foncé. Et j'en ai acheté un à Kiko, et c'est celui que je préfère. Donc je vais utiliser que celui-là à partir de maintenant. Des fois, le Fit Me de Maybelline, je l'utiliserai encore de temps en temps. Parce que c'est vrai qu'il est pas de mal, mais franchement, il est pas super top. Hein. Il est pas si top que ça. Voilà quoi. Bon, j'ai mis très peu de fond de teint, donc pour cacher mes petites rougeurs et mes petits boutons, pas là, je crois que j'ai des petits boutons, j'ai vu ce matin. J'ai utilisé le stick correcteur de chez Miscope, couleur verte, et je vais rajouter un peu d'anti-cerne par-dessus. Let's go. Donc là, je vais en mettre. Là, sur mes boutons. Je sais pas si on les voit à la caméra, mais moi je les vois. Et sous mes yeux, mes cernes.
Voilà. Je prends donc mon anti-cerne Kiko en teinte 04. Je l'adore. D'ailleurs, il est bientôt fini et je compte bien en racheter un autre. Le même, je veux dire. Voilà, donc on va mettre par là. On va tout couvrir le stick correcteur par là. Ça me brûle la moustache. J'aurais peut-être pas dû. Oh là là, j'espère que ça va pas s'aggraver. Oh, bismillah. Non, y a pas de raison. Ça y est, ça brûle plus. Ah, ça m'a rassuré. Ça y est, ça me brûle plus. C'est sensible. Les mecs, ils savent pas ça. Mais nous, quand on s'épile la moustache, c'est sensible après. Ça fait mal, ça fait des boutons, des rougeurs, ça brûle. Et sur le coup, j'ai même pas envie d'en parler, donc laissons tomber cette histoire. Bon, j'ai mis mon anti-cerne de partout, je vais en mettre sur mon nez. Et je pense que ça va. Je vais en mettre un peu par là aussi. Allez. Donc voilà. Bon, je vous disais que je voulais humidifier mon éponge. J'ai pris mon brumisateur, voilà. Bon, brumisateur Evian. Et je vais venir humidifier mon éponge avant de d'estomper l'anti-cerne. Donc ça, comme ça. Voilà, je pense que là c'est bon. Alors, il est où mon miroir? Il est là. Du coup, allez, c'est parti. Je commence soit par un endroit qu'on devrait. Avec le cas mauvais, le voilà, donc j'en ai mis la poudre dans le couvercle et je vais prendre avec l'éponge sur le pinceau la poudre pour l'appliquer sur mes cernes. C'est la première fois que j'utilise une éponge pour poudrer mes cernes. C'est très bizarre. Et ça va pas jusqu'à en haut de mes cernes, je comprends pas. Si ça va. Bon, c'est la première fois, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, hein. Voilà. Je donne ça. Et maintenant, donc j'ai utilisé cet embout-là, qui est plein de poudre, que je laverai bientôt. Et donc maintenant, je vais utiliser l'autre embout, le pinceau plat, pour enlever. Je pense qu'ils sont un peu inspirés de Huda Beauty pour ce pinceau-là. Bref, donc je vais utiliser ce pinceau-là pour enlever la poudre que j'ai mis partout sur la zone T et dans mes cernes. Ah ouais, il est trop bien ce pinceau pour l'enlever. Waouh! Waouh! Il est beaucoup mieux que les autres pinceaux que j'utilisais pour enlever la poudre. Donc cette éponge, celui-là, franchement, avec la petite éponge et le petit pinceau à 2,50 €, il vaut le coup. Pour moi, c'est mon avis personnel, il vaut le coup. Parce que la poudre, elle fait son effet, mais il n'y a pas de résidus qui restent et c'est joli, quoi. Ça fait un beau résultat. J'aurais dû poudrer par là, ma rougeur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Next! Après donc, on va passer au bronzer. Avec mon bronzer de chez Rimmel et mon pinceau de chez Glow, le biseauté. Voilà celui-là. Et donc, je vais en mettre sur les tempes et en dessous des joues. Je suis allée un peu loin, ça va. C'est jouable, c'est rattrapable.
Ce pinceau, il est trop bien pour utiliser. Bon, je vais utiliser en tout premier lieu cette couleur pour la transition. Cette couleur, je veux dire, pour la base. Donc ça s'appelle la Vanilla Mist. Je prends le plus petit pinceau boule de chez Glow que j'ai et je tabote. On va voir ce que ça donne, hein. Mystère, mystère. Heureusement, j'ai un miroir. Bref, heureusement, j'ai un miroir. Des fois, j'ai des choses un peu bêtes. Bref, c'est parti. J'en mets partout sur la paupière. C'est vraiment pour avoir une base, hein, pour la paupière. Après, on va mettre de la couleur, mais là, je veux... Et en plus, ça tient mieux quand on met un fard de base. Je ne mettais pas de fard de base avant, mais plus je regarde des vidéos YouTube sur make-up, et d'ailleurs, je sais que j'en regarde beaucoup, beaucoup, j'ai envie de tester de nouvelles méthodes, de m'améliorer, d'évoluer dans le maquillage. Donc ça se voit presque pas. La différence ne se voit presque pas. Ça se voit presque pas. Mais c'est très bien pour une couleur de base de transition. Donc, on continue. Pour l'instant, je sais pas quoi dire pour vous donner mon avis. Pour l'instant, je sais pas. On va voir plus tard. Je vous donnerai mon avis dans quelques instants. Voilà, donc j'en ai mis partout. Après, je sais pas quelle couleur choisir. Je vais prendre le Golden Jasmine. Et je vais le mettre dans le creux de la paupière. Donc le Golden Jasmine, je ne vous l'ai même pas montré, excusez-moi. C'est celui-là, ce beau doré. Donc je vais en mettre dans le creux de ma paupière. Donc là, il manque là, dans le creux. Ah ouais, il est pas mal. Il est bien pigmenté en fin de compte, hein. Quand j'ai fait les swatchs, j'avais pas l'impression qu'ils étaient tant pigmentés que ça. Mais en fin de compte, non. C'est très bien. Je vais en rajouter un peu. Ouais, c'est très bien. Hein. Il se voit bien. Moi, de toute façon, ma palette préférée, c'est un gros coffret, une grosse mallette que j'ai qui vient de chez Marionneau. Il y a tout plein de couleurs. Et il y a des couleurs qui sont vraiment folles. Des bleus clairs électriques. Des bleus clairs... très clair bleu ciel avec des paillettes irisées, des rouges, des roses, des jaunes, des oranges, des marrons, des noirs. Donc c'est ma palette préférée, elle vient de Marionneau. Je vous l'ai montré déjà ce coffret. C'est une grosse mallette argentée qu'on ouvre et qui s'ouvre comme ça. À l'intérieur il y a des blushs, des poudres. Et sur les côtés il y a les deux, palettes de fard à paupières. Je vous la remontrerai si vous voulez. Mais d'habitude je n'utilise que ça comme fard à paupières. Et c'est pour ça que j'achète jamais, pratiquement jamais de palettes, parce que j'ai déjà beaucoup plein, j'ai déjà 3 autres palettes ou 4 autres palettes. Et en plus de ça, avec ce coffret, avec cette mallette, j'ai déjà toutes les couleurs du monde possible, on dirait. J'ai l'impression de manquer de aucune couleur. Mais quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, il faut que je l'achète, elle est pas chère. Et les couleurs, elles m'ont beaucoup plu. Cette palette, elle m'a beaucoup plu, donc j'avais très envie d'acheter, ça faisait très très longtemps que j'avais pas acheté une palette. Donc voilà. C'est bizarre ce Golden Jasmine, ce doré. Il est un peu rose. Comme vous pouvez le voir. Et c'est pas juste à la caméra que ça fait ça, moi aussi je le vois. Hein. C'est un rose, rose gold, on dirait. Pourtant, là, il est que doré. Là, il est vraiment que doré. Moi, je le vois que doré. Et peut-être ça à cause de mon fard de transition. Ça m'étonnerait. Bon, on continue. On fait la même chose de l'autre côté. C'est pas intéressant. Je vous reprends après. Pour la paupière mobile, je vais utiliser cette couleur, voilà. Le Sweet... Comment il s'appelle? C'est lequel? Le Crystal. Crystal. Donc j'ai utilisé cette couleur, Crystal. Pour... je vais changer le pinceau. Je prends le plus gros pinceau boule de Glow. Et donc la couleur Crystal, je vais la mettre sur la paupière mobile. Et je vais essayer de ne pas déborder, d'en mettre vraiment juste au milieu. De laisser le coin externe et le coin interne encore libre.
Bon, je trouve que, pour être honnête, je trouve que ces fards ne sont pas fous, même s'ils sont jolis, faciles à utiliser, et ça fait joli, mais je veux dire, ils sont pas représentatifs de la couleur qu'on voit. Quand moi, mes fards avant, quand je les vois là, eh ben, je sais ce que ça va me mettre, ce que ça va donner comme résultat sur mes paupières. Et là, je trouve que les couleurs qu'on voit là, sur la palette, ne sont pas représentatives de ce que j'ai mis sur mes yeux. Après, c'est le premier avis négatif que je mets sur cette palette. C'est ce que je pense le premier comme le premier défaut. C'est son premier défaut, je trouve. Je pense vraiment que c'est son premier défaut. Je fais l'autre œil et je reviens à vous. Voilà, donc les deux yeux sont identiques, on en est à là. Donc pour le coin externe, c'est externe, voilà, par là. Je tenais à utiliser une couleur qui ressemble beaucoup à une autre de cette palette-là, c'est le Black Velvet, qui ressemble beaucoup au Vintage. Donc je vais vous expliquer. Moi je vais utiliser cette couleur-là pour le coin externe et je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle-là. Donc celle-là, c'est le Vintage et celle que je vais utiliser, c'est le Black Velvet. Voilà celle-là. Donc je ne vais pas me priver et je vais utiliser ça. Cette Black Velvet pour les coins externes des yeux. En fait, les fards foncés, ils sont beaucoup plus jolis que les fards clairs. Les fards clairs, on dirait qu'ils ont eu du mal à les faire bien pigmentés, bien la bonne couleur et tout ça, mais les fards. Bon, le doré, c'est compliqué parce que c'est ni l'un ni l'autre. Mais les fards foncés. Ils sont vraiment pas mal. Celui-là, il est vraiment pas mal. Vraiment joli. Après, on fait le deuxième œil. Voilà, on en a là, c'est joli. Next. Bon, on va estomper le tout avec ce pinceau-là. Et après, je vais mettre du noir dans la muqueuse en bas, du mascara et on en aura fini pour les yeux. Mais on n'en a pas fini pour le teint. D'ailleurs, j'ai pas mis de fard à joues ni d'highlighter. Donc, keep on watching, c'est pas fini, mais bientôt. Et je trouve que pour l'instant, ça s'annonce bien. Donc, je viens estomper. Surtout le bord externe, vu que c'était foncé, il y en a besoin de l'estomper. Voilà, donc on en est à là. Je vais mettre du noir dans la muqueuse et je vous reprends. Voilà, je tenais à mettre mon blush avant le mascara. Parce que moi, mon visage sans blush, je le trouve horrible. Et pas horrible, mais franchement, le blush, ça me change le visage. Et j'en ai vraiment besoin là, je trouve. Donc je prends la palette de Primark, vu qu'on est dans une vidéo spéciale Primark. Je me suis dit, on va utiliser les blushs de Primark, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Mais j'en ai aussi d'autres Marionneau. Bref, donc je sais pas quel ton prendre. Si, je vais prendre ce ton-là, qui s'appelle Lustre. Un rose foncé. Voilà, j'ai pratiquement fini achever le make-up, puisqu'il ne reste plus que l'highlighter. Donc le fameux Pure qui me vole la vedette quand je le mets à côté de ma tête. Voilà, je deviens sombre, plus de lumière. La vedette de ma vidéo, le Pure Gold. Alors on voit que mon appareil photo dans l'écran. Enfin bref, le Pure Gold, j'ai envie d'essayer. J'ai hâte de l'essayer. Je sais pas avec quel pinceau l'essayer. Tiens, j'ai pas sorti de pinceau pour mon highlighter. Comment je vais faire? J'aimerais bien l'ouvrir aussi. Donc je vais essayer ce highlighter-là et j'en mets dans plusieurs endroits différents, vous verrez. Donc je vais aller chercher mon pinceau et on passe à cette étape. Cool à toutes. Voilà, je suis revenue aussi vite, aussi fait. Donc je suis revenue avec mon pinceau. Donc c'est fait. Mon pinceau que j'utilise d'habitude pour l'highlighter souvent. Et je vais l'appliquer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et vous allez voir à quoi ça ressemble sur mon visage tout de suite.
Noah. Bon, allez, je vous dis la vérité? Et eh ben, je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Il est trop beau. Il a coûté que 4 dollars, 4 euros. Il est trop beau, j'ai envie d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Donc j'en suis à la troisième couche là. Hein. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés pour les yeux, le coin interne. Donc c'est bien plus joli. Et donc je vais passer à l'highlighter sur les lèvres. J'adore mettre de l'highlighter sur les lèvres. Donc je vais prendre mon pinceau et... Et voilà. Voilà, donc est-ce que j'ai oublié quelque chose? À part le gloss. Allez, on va mettre un peu de gloss. Celui de Ellen Tracy. C'est un nude. Peut-être que je vais remettre du highlighter après par-dessus ou peut-être pas, je sais pas, je vais voir le résultat. Ouais, c'est pas la peine de rajouter de l'highlighter. Il est toujours présent. Voilà, on a fini le tuto. Je vous ai montré tous mes derniers achats de chez Primark Cosmétiques. Donc on va faire un résumé. Cette éponge-là, je ne l'ai pas utilisée, mais elle a l'air un peu plus molle. Mais cette éponge, ce que j'en pense, c'est qu'elle est un peu dure. Mais elle est pas mal parce que j'ai pas mis beaucoup de fond de teint. Donc c'était peut-être pour ça que j'avais pas le même résultat que d'habitude. Mais elle a une bonne forme. Et pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Voilà, après cette brosse, j'en suis ultra satisfaite. Surtout de ce côté-là, mon éponge... Franchement, cette éponge-là est meilleure que ces éponges-là. L'éponge qu'il y a sur ce pinceau. Donc pour mettre la poudre anti-cerne, c'est très bien. Et pour enlever ce côté-là, c'est aussi très bien. Donc j'aime bien ce pinceau-là. Après, il y avait quoi d'autre comme nouveauté? Bien sûr, il y avait la palette Velvet Rose. Donc elle est très jolie. Ce sont des très jolies couleurs. Mais les couleurs les plus claires sont très peu voyantes. Et les couleurs les plus chaudes, les plus foncées sont très très bien faites, très pigmentées et très jolies. Donc ce sont celles que je préfère. Mais c'est vrai qu'il y a quelques teintes, comme ce rose-là, qu'on voit pas très bien. Donc si il est bien, mais je suis un peu sévère, je trouve. Je me trouve d'un coup un peu trop sévère. Enfin, cette palette est très jolie. Elle était à 6 euros. Et je trouve que c'est très raisonnable pour d'aussi jolies couleurs. Même s'il y a certaines couleurs qui se voient moins que d'autres. C'est pas mal, mais il y a mieux. Il y a mieux, mais c'est vraiment pas mal. Et pour 6 euros, ça vaut le coup. Je vous le recommande. Après, il y avait une dernière nouveauté. Il y avait un dernier truc que j'ai acheté à Primark. Voilà, l'highlighter, il est là. Donc l'highlighter... J'en suis pas du tout déçue, pas du tout, pas du tout. Il faut juste 3 couches de plus et on arrive au même résultat que celui de Fenty. Donc pour 4 dollars, pour 4 euros pardon, je suis restée mode dollar moi depuis mes vacances. J'arrête pas de parler en dollars. Je le trouve très beau. Il est magnifique doré, ça me plaît beaucoup cette couleur-là. Donc j'en ai mis 3 couches avec un pinceau donc sans les doigts. Donc franchement, le résultat est pas mal. Voilà mes chouchous, voilà mes chouchous d'amour. Donc je suis très contente que vous ayez regardé ma vidéo, je vous remercie mille fois. J'espère que vous allez vous abonner, abonnez-vous pour pas louper mes vidéos, comme d'hab, vous aurez la petite notification si vous mettez, si vous activez la cloche. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications. Il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne, ça fait que 2 mois que j'ai cette chaîne-là et il y a de plus en plus d'abonnés. Donc on en est à 65 je crois. Donc j'espère que ça va augmenter et quand vous verrez cette vidéo, j'en aurai encore plus que 65, inch'Allah. Bref, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous laisse avec les images. Tchuss !